tẹ́lẹ̀. Mr. Okeke ló padà wálé. Oh, Okeke. Donc, il y a eu quoi là? Sous le reparrainage du député Jean-Claude Sedozan Akwiti, de M. Félicien Maoutondi Hunkari, directeur départemental des sports de l'OM, et du jeune leader Titou Kassoumou, stratège, média, events et Mr. Okeke organise le plus géant des spectacles au cœur de la ville capitale. La grande soirée des talents artistiques de Porto Novo. Amado, Okeke, Nahuyanaku. Un riche programme conçu pour la promotion et la révélation des talents artistiques exceptionnels de Porto Novo. Et ceci dans toutes catégories confondues. Humour, danse, théâtre, musique, slam, mannequinat, art visuel et bien d'autres. La grande soirée des talents artistiques exceptionnels de Porto Novo, c'est ce 18 novembre 2023 au Nouveau Res Carrefour Cocoyer, ancien Ciné-Res. Entrée, ciné Biokoua, Owo Iwole, 1000 francs seulement. Réservation VIP, 3000. Pour plus de renseignements, appelez le plus 229 66 16 75 88. La grande soirée des talents artistiques de Porto Novo. C'est Mr. Okeke et la compagnie Towakono même en présentiel sur scène. C'était sérieux. Je le battais réellement. Hein. Venez vivre ce moment idéal qui porte au pinacle les talents artistiques de Porto Novo avec Mr. Okeke. Fidèles internautes de National TV, amis téléspectateurs, bien bonjour à vous et merci de renouer avec ce rendez-vous matinal sur nos différents canaux de diffusion. Nous sommes aujourd'hui vendredi 3 novembre 2023. Le calendrier des fêtes annonce une journée qui sera donc placée, sinon déjà placée sous le signe de vos dons. Le signal aujourd'hui est ouvert. Si vous êtes fidèles chrétiens, vous allez lire le psaume 68, tandis que les fidèles musulmans liront la sourate 53 aujourd'hui. Les couleurs vertes et roses vont plus porter de la chance aujourd'hui. C'est une journée qui sera donc favorable pour toutes les actions spirituelles, matérielles et physiques également. Et les natifs du signe des signes taureau et balance auront plus de la chance aujourd'hui. Monsieur Guimont Henry est à la réalisation. Après avoir bien évidemment sélectionné quelques journaux qui sont parus et parvenus à notre rédaction. Et maintenant tout de suite, mesdames et messieurs, sans transition, on va passer à la présentation de ces canards. On va démarrer par le journal. Le matin qui va tout droit à l'Assemblée nationale pour parler de quoi? Déjà, adoption à une majorité écrasante du rapport d'activité du Parlement, des auréoles pour le leadership et les exploits du président Louis Berounou. Vlavonou a mis le journal en grand titre ce matin. L'information, oui, le matin l'a détaillé dans ses colonnes. Communauté musulmane au Bénin, Patrice Talon réconcilie les frères musulmans de la mosquée de Kadjeroun a mis le journal ce matin. Pour ses multiples services à la nation, Robert Guyan est levé à la dignité de Grand Croix, a mis le canard ce matin. Message de gratitude au chef de l'État et au mandant de l'honorable du général, voilà. Robert Guyan sont à retrouver, le message plutôt est à retrouver dans les colonnes du journal le matin dans sa livraison de ce matin. Juste après, le matin, Guillaume a dit quoi? Oui, voilà, le matin libre, le quotidien matin libre qui a mis Bénin, respect du calendrier vaccinal. C'est 32 000 francs, CFA et autres frais qui font obstacle. Les vaccins recommandés chez l'enfant ne s'arrêtent pas à 9 mois, a mis le journal Matin Libre hein, en grand titre ce matin et en page de Le Canard. Laissez les détails beaucoup plus développés. Assemblée nationale. Le deuxième rapport d'activité du président Louis Vlavonou a adopté, a mis Le Canard en fausse manchette. Oh, nous allons continuer l'aventure ce matin pour retrouver la primeur qui dit: vote avec une majorité large des députés du deuxième rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale sous 9e législature. Des lauriers pour le président Louis G. Vlavonou a mis le journal en grand titre ce matin. Pour ses loyaux services rendus à la nation, l'honorable Titi Layo Adjaïf, commandeur de l'Ordre national du Bénin, a mis le journal
Ce matin, l'information, c'est bien évidemment la primeur qu'il a placardée en fausse manchette haut de sa livraison de ce matin. Opposition à l'Assemblée nationale, les démocrates font la politique du rejet systématique. Amis, le canard ce matin, qu'est-ce qui se passe justement, mesdames et messieurs, l'information, la primeur l'a détaillée dans ses colonnes. Et nous revenons un peu en bas pour retrouver quoi, coup d'État, répression de l'homosexualité, le Niger et trois autres pays africains perdent les avantages de la Goa. A mis la primeur ce matin en fausse manchette. Bah, nous allons continuer pour retrouver à présent du coin info qui met décentralisation et ses avantages au Bénin. Triste avenir pour le département du Zou sous talon. Cas de Boricon. Qu'est-ce qui se passe en tout cas? Ce qui a fait cela au Cana, il a détaillé en page 4 de sa livraison de matin, oui, J3 de la Ligue professionnelle. La police remporte le duel des hommes armés. Dragon crash du feu à Poubé a mis le journal en page 3. Les détails sont à retrouver sinon ici. Le titre est placardé en fausse manchette haut du journal, du coin info. Dans sa livraison de ce matin, nous poursuivons pour retrouver à présent Nord-Sud quotidien qui met quoi? Parlement. Voilà, la gestion de Vlavono approuvée par ses pairs, a mis le journal ce matin. Hein, c'est le grand titre en manchette du Nord-Sud quotidien ce matin. Et en fausse manchette aux produits locaux, les signes distinctifs de la qualité. Qu'est-ce qui fait de cela au Cana en tout cas? Il faut donc vous procurer voilà, du Cana pour en savoir davantage. Porto Novo a présent un budget de 6,5 milliards pour 2024, a mis le Cana. C'est bon, hein? Voilà. Monsieur Guillaume Carré, il sourit là-bas parce que ça a fait objet d'un petit débat entre nous. La Média, la Cour a tranché le dossier de golf. Le journal Nord-Sud quotidien a laissé les détails hein, ce matin. Nassiara va s'installer. Inauguration du projet phase 2 du bloc pétrolier du Niger. Les autorités nigériennes prennent à contre-pied l'Obéné, a mis le journal. Distinction dans l'ordre national. L'honorable Robert Guignan sur le toit des valeurs républicaines, a mis le journal Nassiara ce matin à la une. Bénin, intelligence s'intéresse à quoi après? Avec les félicitations du jury. Mais qu'est-ce qui est écrit en haut? Voilà. Mais vote du rapport d'activité du président Vlavono avec les félicitations du jury, a mis le journal Bénin Intelligence ce matin. Hein, l'information, le canal a détaillé en page, en page 5, voilà, ce matin, Bénin Intelligent à l'instant, qui était donc à l'Assemblée nationale, qui disait tout simplement que le budget, voilà, le rapport d'activité du président Louis Bounou Vlavono a été voté avec félicitations du jury. Le matinal à présent, mosquée centrale de Kadiaou, talon ramène la paix. Yakubu Malé Khosou, le chef de l'État, est à l'écoute des religieux, a mis le journal ce matin. Couverture sanitaire universelle effective au Bénin. Les mesures gouvernementales exposées en page 5, vous lirez donc les détails. Le potentiel à présent qui s'est intéressé à quoi? Lutte contre la cybercriminalité. Gaïman en prison. Les femmes dans les bras d'autrui. La galère et les besoins sexuels ont dicté leur loi. Ce qui est sûr, c'est ce qu'a mis le potentiel. Quand Guillaume Karim baisse la tête, c'est qu'il lançait quelque chose. Ce qui est sûr, on va revenir sur ça dans nos prochaines éditions. Ordre national du Bénin. L'honorable Jérémy Adomaou élevé au grade de grand officier. Voilà. Commandant de l'ordre national, grand officier, voilà les différentes distinctions de Montcarrier. Projet Paperland Niger Bénin, un géant oléoduc mis en service à mi-. Le journal Le Potentiel, hein, ce matin, toujours à sa une, il faut retrouver à l'Assemblée nationale de 9e législature. Le deuxième rapport d'activité de Vlavono adopté à la majorité a mis le Cana face à la qualité de la synthèse. Ses collègues Batlemi Kassa, Cécile Aoumenou, Hassan Seyebou et Abdoulaye Gounou expriment leurs admirations dans les colonnes du journal Le Potentiel dans sa livraison de ce matin. On continue? Ah non, il me signale que c'est fini. Merci à vous, M. Guillaume Carin. C'est lui qui a assuré la sélection et est revenu derrière les caméras après pour faire gérer également la réalisation. En ce moment, c'est Patel Nkwekounon qui est donc à la régie d'antenne pour cette présentation de la Une des journaux de ce vendredi, vendredi 3 novembre 2023. Merci infiniment à tout un chacun de vous de nous avoir suivis. Ici, Léon Tovi et si nous écoute depuis Fonongou dans le département, dans le nord Bénin, tout de suite, c'est officier fonctionnaire de police plus tôt. Le mois de novembre, c'est ton mois et nous attendons avec impatience comment ça va se passer
Cette année, Cotonou, Porto Novo, où c'est à Founou que nous allons venir. En tout cas, les fans restent impatients. Ils veulent savoir justement comment ça va se passer cette année, l'anniversaire, parce que c'est le 10 novembre prochain, Léon Tovier 6. Ce qui est sûr, nous restons donc à l'écoute pour savoir comment le reste va se passer. Merci une fois encore de nous avoir supporté. Vous bien, bonne journée à vous. Très bon début de week-end à vous. Au revoir.